Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter une page sur Wix. Pour faire cela, c'est très facile. Déjà, ce que tu vas faire, c'est te rendre sur ton tableau de bord Wix. Lorsque tu seras ici, ce que tu vas faire, c'est choisir le site sur lequel tu souhaites ajouter une page. Pour choisir le site de ton choix, ce que tu vas faire, c'est venir cliquer ici. Et là, tu vas retrouver tous les sites que tu as à ta disposition. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est choisir le premier site web. Après avoir choisi ton site, ce que tu as fait, c'est venir cliquer ici sur Concevoir le site. Alors, tu seras immédiatement renvoyé vers ton éditeur de site web. Et là, si je clique tout aussi en haut, tu vas retrouver les différentes pages que j'ai déjà créées sur mon site web. Alors là, nous avons la page fonctionnalité, tarifs, ressources, à propos, etc. Alors, si nous voulons ajouter une page ici, c'est très facile. Nous allons venir cliquer ici sur page, nous allons cliquer dessus. Et là, par la suite, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer gérer les pages. Alors en cliquant dessus, maintenant, tu vas retrouver les différentes pages que j'ai mentionnées plus tôt qui se trouvent ici. Là, tu peux voir la page ressources qui est ici. Alors si tu veux ajouter ou encore créer une nouvelle page sur ton site, ce que tu vas faire, c'est cliquer le bouton ajouter juste ici. Et là, tu vas pouvoir créer une page vierge en cliquant sur ce bouton-ci, ou tu vas encore pouvoir créer une nouvelle page à partir des templates que va te proposer Wix. Alors ici, il y a plusieurs catégories de pages que tu peux créer. Là, tu peux créer une page à propos, service ou encore projet. Alors tout juste ici, tu vas retrouver les différents templates que Wix va te proposer. Et là, tu peux cliquer dessus. Alors dans mon cas, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur page vierge. Et là maintenant, tu vas voir que nous venons de créer notre page sur Wix. Alors ce que je vais faire ici, c'est renommer cette page-ci. Là par exemple, ce que je vais entrer ici, c'est test 1. Et là, je vais cliquer sur terminer. Et là maintenant, si je ferme ceci, tu vas voir que nous venons de créer notre page sur Wix.